C'est le temps des questions orales. La chef de l'opposition. Merci, Monsieur le Président. Avant de faire mes commentaires ou de poser ma première question, je crois qu'il est important de reconnaître la perte d'une personne qui a été éduquée à Windsor et a joué un rôle important dans le secteur automobile, Monsieur Marcio Marchionni, qui était un pionnier à Fiat Chrysler. Sa perte aura un effet sur plusieurs gens d'affaires à l'échelle mondiale. Ma première question s'adresse au premier ministre. Hier, j'ai demandé au premier ministre si le consentement serait inclus dans le programme académique cet automne, mais il a refusé de dire oui. Il a refusé de dire que l'on enseignerait le consentement dans les salles de classe de l'Ontario en 2018. C'est une décision qui échoue auprès de chaque étudiant de l'Ontario. Pourquoi est-ce que ce premier ministre croit que de rendre ses amis socio-conservateurs heureux est plus important que d'assurer la sécurité des jeunes et tout particulièrement des jeunes femmes? Le premier ministre. Monsieur le Président, la chef de l'opposition, je peux vous dire qui sera heureux. C'est les parents. Les parents seront heureux. On va s'assurer que les parents soient heureux parce qu'ils seront consultés. Seulement 1600 personnes ont été consultées à l'échelle de la province. Encore une fois, c'est 0,001% de la population qui n'a pas été consultée, qui ont été consultées plutôt qu'ils n'ont pas été consultées. Et mon ami, je sais, c'est un peu difficile ici, ouais. En fin de compte, mon ami, 1600 personnes sur 14 millions ont été consultées. Je sais que la chef de l'opposition n'a pas foi en la consultation avec les parents. Elle croit que le gouvernement doit prendre les décisions, mais nous allons faire la plus grande consultation que jamais vue dans cette province. Nous allons nous promener dans chacune des 124 circonscriptions, consulter la population, les gens de la population, qui sont importants, c'est-à-dire les parents. Intervention du président, arrêtez la pendule. Asseyez-vous, redémarrez la pendule. Complémentaire. Merci. Est-ce que je peux dire que ce premier ministre n'a absolument aucune idée de ce en quoi je crois? Il n'est pas un expert des croyances néo-démocrates non plus. Hier, Monsieur le Président, j'ai demandé au premier ministre si l'identité sexuelle et que les familles LGBTQ seraient incluses entièrement dans le programme académique de l'automne. Le premier ministre n'a pas dit oui. En fait, il a dit que ça ne dépend pas de nous. Et en 2018, Monsieur le Président, ça aussi, c'est une décision qui échoue auprès des jeunes homosexuels de la province. Pourquoi est-ce que ce premier ministre croit que de rendre ses amis socio-conservateurs est plus important que d'assurer la sécurité des jeunes homosexuels de la province? Le premier ministre. Encore une fois, par vous, Monsieur le Président, chef de l'opposition. On parle ici du programme académique. Ça vient, c'est quelqu'un qui s'appelle Jagmeet Singh, que vous pourriez peut-être connaître. Oh, Monsieur le Président, j'exprime mes inquiétudes. Mes commettants s'inquiètent du programme académique dans la province. Lorsque l'on parle du programme d'éducation sexuelle, les libéraux n'ont pas appris de leurs erreurs passées. Le manque de consultation avant d'annoncer le programme était un manque de respect auprès des parents. Dans ma circonscription, on voit les erreurs du gouvernement libéral. Merci. Arrêtez la pendule. Que les députés reprennent leur siège, redémarrer la pendule. Complémentaire final. Intervention du président. Redémarrer la pendule. À l'ordre. Redémarrer la pendule, complémentaire final. Il est clair pour tout un chacun qui a porté attention au cours de ces jours de la prise de décision par les libéraux d'annoncer un programme académique sans une vraie consultation en termes d'éducation. Les députés du gouvernement reviendront à l'ordre, s'il vous plaît. La chef de l'opposition.
On s'inquiétait d'un scandale à Sudbury. Ça a été l'irresponsabilité des libéraux. Tout le monde serait d'accord. Mais ce premier ministre, en fait, est mené par les initiés et les gens dans les coulisses plutôt que de faire avancer l'Ontario. Il nie les réalités de 2018 en échouant d'éduquer sur l'éducation du consentement, de l'éducation sexuelle, de l'eau sur l'orientation sexuelle, etc. Il préfère que des gens tels que M. McVitie et Mme Granica Allen soient heureux. Pourquoi est-ce que c'est si important que Charles et Tania soient heureux alors qu'on parle ici de la sécurité de milliers de jeunes? Le premier ministre, je suis heureux que la chef de l'opposition a reconnu qu'il n'y a pas eu assez de consultations. Je suis heureux. Et que l'un des anciens députés de votre groupe parlementaire est d'accord. Et je peux vous assurer que nous allons consulter les parents de cette province. Merci. Arrêtez la pendule. Que le député se rassoie. Redémarrer la pendule. Prochaine question. Merci. Au premier ministre, c'est malheureux que ce gouvernement conservateur prenne des décisions fondées sur leur meilleur intérêt politique, tout comme les libéraux l'ont fait lorsqu'on parlait du programme d'éducation sexuelle dans le problème de communication. Voilà ce qui s'est produit et maintenant on en paie le prix. Une décision après décision avec ce premier ministre, toutefois, qui sont faites par l'influence des initiés du parti. On le voit avec le programme d'éducation sexuelle et avec le réseau de l'électricité. Le premier ministre a dit qu'il n'y aurait aucun frais pour le renvoi du PDG, mais Mayo Schmidt, nous le savons, partira avec 9 millions de dollars dans ses poches. Et on devra payer 103 millions de dollars si le marché avec Avista n'est pas conclu. Est-ce que le premier ministre comprend les coûts de ses décisions dans les coulisses? Le premier ministre. Monsieur le Président, par vous. Madame la chef de l'opposition, vous devrez trouver du nouveau matériel. On continue à répéter les mêmes questions. Nous nous assurons que nous épargnons aux contribuables de l'Ontario 790 millions de dollars, 260 dollars par famille. On croit qu'il est important de remettre de l'argent dans leur poche. On va diminuer les impôts, on va créer des emplois payants. Nous aurons une économie florissante en Ontario et nous allons diminuer les tarifs d'électricité. Encore une fois, j'aimerais vous rappeler par la présidence à la chef de l'opposition que le PDG n'a reçu aucune prime de départ. L'intervention du président a été la pendule. Que le député se rassoie. Redémarrer la pendule complémentaire. Eh bien, il semble que le premier ministre de l'Ontario a de la difficulté avec les chiffres parce que l'homme à 6 millions de dollars est maintenant l'homme à 9 millions de dollars grâce au marché conclu dans les coulisses. Et ce marché rendra encore moins abordable les tarifs d'électricité pour la population de l'Ontario. Intervention du président. Je suis désolée. Du côté du gouvernement, revient à l'ordre. Je ne peux pas entendre la chef de l'opposition. Le PDG d'Hydro pourrait coûter jusqu'à 9 millions de dollars et on n'a aucune idée des autres coûts qui sont enterrés dans les marchés conclus dans les coulisses par le premier ministre. Et je vais continuer à poser ces questions jusqu'à ce que les questions soient répondues. Donc, si le premier ministre croit qu'il a conclu une si bonne entente avec Hydro One, pourquoi est-ce qu'il ne la publie pas afin que nous puissions tous la juger? Le premier ministre. Merci, M. le Président. Franchement, il faut avoir du front. La chef de l'opposition parle de chiffres, intervention du président. Et maintenant, je dois avertir l'opposition, je ne suis pas capable d'entendre le premier ministre. Monsieur le premier ministre, pardon. La chef de l'opposition a fait une petite erreur dans son budget qui coûtait 5 millions de dollars. Un petit problème technique. Mes amis, lorsque l'on fait des calculs, Monsieur le Président, nous allons nous assurer
que l'on se débarrasse du régime de plafonnement et échange, que l'on diminue les tarifs d'électricité, que les entreprises soient concurrentielles, parce que, Monsieur le Président, lorsque j'ai fait la tournée de la province, j'ai parlé à des centaines et des centaines d'entreprises qui me disaient que si on ne diminue pas les tarifs d'électricité, elles déménageront au sud de nous. Ici, on a les tarifs d'électricité les plus élevés au monde et ça fait en sorte que les entreprises quittent l'Ontario. Complémentaire final. Monsieur le Président, je crois que le Premier ministre doit se regarder dans le miroir lorsqu'on parle de qui fera quitter les entreprises ontariennes de la province. Les emplois, le travail du Premier ministre est de travailler pour tous les Ontariens et Ontariennes et de se débarrasser du programme d'éducation sexuelle ne fonctionne que pour les conservateurs progressistes sociaux. Et de se débarrasser du plafonnement échange, ça n'aidera que les pollueurs. Et avec un marché secret, avec Hydro One, ça ne fonctionne que pour l'homme à 6 millions de dollars. Sinon, le Premier ministre voudrait divulguer les détails de ce contrat. Pourquoi est-ce que le Premier ministre se laisse mener par les lobbyistes et les initiés alors qu'il devrait travailler pour tous les Ontariens et Ontariennes? Le Premier ministre. Monsieur le Président, à travers la présidence, le régime de plafonnement échange, puisque vous l'avez souligné, c'est la première étape pour diminuer les prix de l'essence de 10 cents. Il faut s'assurer que les entreprises soient concurrentielles avec le climat auquel nous faisons face aujourd'hui. Nous devons faire concurrence au monde entier et de diminuer les impôts, de se débarrasser du plus possible de 380 000 réglementations qui existent. Nous allons diminuer les tarifs d'électricité de 12 %. Nous serons l'envie du monde et nous serons de nouveau le chef de file au Canada. Prochaine question. Député de Témiscaming-Cochrane. Au Premier ministre. Lundi, le Conseil des affaires du Canada a envoyé une lettre demandant de revoir l'annulation du contrat du projet éolien White Pines. La lettre dit, et je cite, « Nous croyons que cette loi, si elle est adoptée, minera la confiance des investisseurs et établira un précédent dangereux dans les marchés conclus entre le gouvernement et les entreprises. » Et je continue. On mettra en jeu la réputation de l'Ontario pour le respect de l'État de droit. Cette entreprise a déjà souligné qu'on demandera 100 millions de dollars à la province pour avoir rompu ce contrat. Pourquoi est-ce que le gouvernement veut donner un tel fardeau sur les épaules des familles de l'Ontario avec ce scandale à 1 million de dollars? Au ministre de l'Énergie. Monsieur le Président, ce que notre gouvernement veut faire, c'est diminuer les tarifs d'électricité de 12 % et au cours des dernières trois semaines, nous avons mis en place des mesures très importantes pour s'assurer que le nouveau chef à Hydro One prendra des décisions d'affaires qui sont sensées. Nous avons confiance en le fait qu'on a pris les bonnes décisions avec cette loi et qu'à l'avenir, les Ontariens et Ontariennes verront des tarifs d'électricité diminuer. Merci. Complémentaire. Ce gouvernement conservateur parle d'ouvrir l'Ontario aux affaires, mais à chaque détour, on affecte la confiance de la communauté des affaires. En 6 semaines, on a annulé un contrat qui coûtera des centaines de millions de dollars en amende et on a poussé le conseil d'administration d'Hydro One. C'est une intrusion sans précédent dans le marché de capital. De notre côté, des employeurs comme Glencore expriment des inquiétudes sérieuses sur l'instabilité des pratiques de ce gouvernement. Est-ce que ce gouvernement conservateur ne comprend pas que d'ouvrir l'Ontario aux affaires signifie plus que de mettre un gros signe en néon sur la frontière? Ministre de l'Énergie. Merci, M. le Président. Dans mes discussions avec mes commettants ailleurs dans la province et mes collègues se sont exprimés, ont accueilli, favorablement la nouvelle administration d'Hydro One. Ils ont confiance qu'ils prendront les bonnes décisions et que ces contrats n'étaient pas seulement des projets étaient inutiles, mais que les collectivités n'en voulaient pas. On ne va pas s'excuser pour faire
de prendre de bonnes décisions et de respecter les données publiques de la population. Député, veuillez vous asseoir. À démarrer la pendule. Député de Mississauga East, Cooksville, ma question s'adresse à la ministre des services à l'enfance et à la jeunesse. J'ai vu que vous avez participé à l'audience du comité fédéral de l'immigration et qu'il y a eu de l'inaction de la part du fédéral et que cela va coûter des centaines de millions de dollars pour accueillir ces personnes. Pouvez-vous informer l'agent comment ce projet de loi ajoute des coûts à la province? Comment allez-vous savoir que le fédéral paiera la facture? Ministre des services à l'enfance et à la jeunesse et des services sociaux. Merci aux députés. Je voudrais vous féliciter de son élection. Je crois qu'il est important qu'il est le premier musulman jamais élu pour les conservateurs. Et nous sommes heureux de l'accueillir. Arrêtez la pendule. Député, veuillez vous asseoir. Redémarrez la pendule. Je pense que c'est la meilleure question jusqu'à maintenant. C'est la meilleure question. Pourquoi? Parce qu'il veut faire la preuve que nous, de ce côté de la Chambre, nous voulons défendre l'Ontario. Hier, j'ai eu l'occasion de participer aux audiences d'urgence en raison du nombre de réfugiés qui traversent la frontière au Québec et d'établir les coûts. Maintenant, nous sommes à la hauteur de 200 millions. 90 millions pour les services sociaux, 74 millions pour les refuges à Toronto, 12 millions pour les coûts de refuge à Ottawa, 12 millions de dollars pour la Croix-Rouge et 20 millions de dollars en éducation. Nous devons nous assurer. Intervention du président. Complémentaire. De retour à la ministre. Ministre, merci de la réponse. La facture augmente. Je me demande si qui demande au gouvernement fédéral de tenir sa promesse et de payer la facture concernant l'entrée des réfugiés venant des États-Unis. Une fois de plus, j'apprécie la question du député. J'appuierai d'avoir une motion pour défendre les Ontariens et de financer 200 millions de factures qui augmentent en raison de la crise qui a été créée par le gouvernement fédéral à la seule compétence sur les frontières. Ce qu'on dit, nous voulons que le gouvernement fédéral nous appuie. Nous voulons 200 millions pour payer les factures. Je veux que chaque député défende l'Ontario. Nouvelle question. Député de Kitchener Sound, ma question s'adresse à la première ministre plus tôt cette semaine avec une réunion à City Hall sur la violence que le gouvernement prendra du financement de la santé mentale pour les services de police. L'Ontario, les néo-démocrates veulent que les premiers intervenants aient des ressources et des investissements. La santé mentale est une question urgente. Il y a des milliers de jeunes qui doivent attendre 18 mois en attente de service. Les Ontariens veulent savoir quel est le véritable plan de l'Ontario. Est-ce que le premier ministre peut expliquer la répartition du budget alloué à la santé mentale? Ministre de la Santé et des Soins, donc je remercie la députée de sa question. Et les gens attendent de service, c'est inacceptable. C'est un problème. Nous allons y attaquer. On ajoute 1,9 dans l'élaboration d'une stratégie pour aider les personnes. Et le gouvernement fédéral en ajoutera également. Nous allons nous pencher sur les services. Les premiers intervenants, nous voulons nous assurer que les gens aient les services nécessaires. Et cette violence futile à Danforth nous rappelle que nous devons intervenir, qu'il y ait des services disponibles. Voilà ce que nous allons faire. Complémentaire. Les conservateurs ne disent rien. Comment le financement santé mentale sera dépensé
Et ce n'est pas la réponse. Et le premier ministre ne devrait pas de ne pas tenir sa promesse pour financer la santé mentale et les dépendants, que le gouvernement a coupé le financement à la hauteur de 2,1 à 1,9. La santé mentale a besoin. Et l'argent dépensé pour les services de police devrait être au-delà de ce qui a été prévu. Et ma question est la suivante. Comment est-ce que le gouvernement s'assurera que l'attribution des ressources n'amplifie pas la crise en santé mentale en Ontario? Ministre de la Santé et des soins de longue durée. Le gouvernement travaille dans l'élaboration d'un système complet qui concerne 12 ministères. C'est le logement, c'est la santé. On n'a pas préparé ce moment-ci d'attribuer de l'argent. C'est le plus grand engagement historique en Ontario. À la hauteur de 1,9 milliard, c'est beaucoup d'argent. Nous allons nous assurer qu'on s'occupe du problème. Arrêtez la pendule. Député, veuillez vous asseoir. Redémarrez la pendule. Député de Mississauga Centre. Monsieur le Président, on est tous sous le choc de la fusillade du dernier dimanche avec un sentiment profond de peine et de tristesse pour les victimes et leur mort insensée. Cet horrible événement me rappelle d'incidents violents dans ma circonscription de Mississauga Centre, qui a eu lieu en plein milieu de ma campagne. L'attaque à la bombe du restaurant Bombay Bell, qui se trouve juste à quelques pas de mon bureau. Cet acte criminel a eu comme conséquence plusieurs personnes blessées, mais heureusement, il n'y a pas eu de mort. Malheureusement, les statistiques parlent elles-mêmes. La violence est en train d'augmenter à l'Ontario et en Toronto. D'après les données de la police de Toronto, il y a eu 218 coups d'armes à feu en 2018, avec 29 morts, c'est-à-dire une augmentation de 71 % vis-à-vis de l'année dernière. Ma question s'adresse à Madame la procureure générale. Est-ce qu'elle peut nous exposer les grandes lignes du plan de son ministère pour combattre le crime violent dans la région du Grand Toronto? Merci, Attorney General. Attorney General. Président, et je remercie l'honorable membre pour sa question. La priorité de notre gouvernement est toujours de veiller à ce que la population ontarienne se sente en sécurité chez elle. Notre gouvernement travaillera de concert avec le gouvernement fédéral, avec le maire et le chef de la police, afin de mettre tout en œuvre pour éviter une autre tragédie de ce genre. Lors de la rencontre récente entre le premier ministre, le ministre Bill Blair, le maire Tory et le chef Saunders, la santé mentale et le besoin d'instaurer des soutiens ont été à l'ordre du jour. C'est pourquoi notre gouvernement va investir 1,9 milliard de dollars dans les soins de santé mentale, le traitement contre les dépendances et les soutiens au logement. Le gouvernement fédéral aussi va verser un montant équivalent. Par ailleurs, nous voulons aussi collaborer avec le gouvernement fédéral pour assurer que nos systèmes de détermination de la peine et de mise en liberté sous caution parviennent à maintenir la sécurité communautaire. Merci, Madame la procureure générale. Cet été nous a offert un temps chaud. Beaucoup de gens sortent dehors pour profiter de ces beaux jours d'été. Mais la sécurité est devenue de plus en plus une préoccupation. Les résidents d'Ontario méritent des rues sans danger pour pouvoir profiter d'un été sans avoir peur. Nos hommes et femmes de première ligne, la police, les paramédicaux et les pompiers, ont fait un travail remarquable en réponse aux scènes d'urgence et du crime. Comment va travailler la procureure générale avec nos professionnels de première ligne pour s'assurer que nos rues deviennent plus sécures possible? Monsieur le Président, le Premier ministre a demandé à mon ministère et au ministère de la Sécurité communautaire et des services correctionnels de travailler avec les divers paliers de gouvernement et aussi les intervenants clés, dont la police, les municipalités et les organismes communautaires. Au cours des prochaines semaines, nous allons consulter des experts pour nous assurer que les programmes et les initiatives qui sont financés par la province, dans le but de protéger la population contre la violence liée aux armes à feu et les activités des bandes criminalisées, parviennent réellement à combattre ce problème. Le ministère est en faveur d'une solution multipartite pour éradiquer la violence armée
notamment en durcissant la législation pénale fédérale et en améliorant les mesures de lutte contre la contrebande d'armes à feu, dans l'objectif d'empêcher la circulation d'armes à feu illégales aux frontières. Député de Beaches-Yorkes, ma question s'adresse au Premier ministre. Comme toute collectivité dans la province de Toronto vit une crise d'opiacés. Aujourd'hui, il y a 18 centres d'injection supervisés à Toronto. Ils sauvent des vies au jour le jour. Mais durant la campagne, le Premier ministre a dit qu'il était contre ces centres d'injection supervisés. Et il a dit que le premier ministre écouterait les experts. Est-ce que le premier ministre confirmera qu'il n'est plus contre les centres d'injection supervisés qui sauvent des vies au jour le jour? Ministre de la Santé et de son longue durée. Merci, M. le Président. À la députée, nous sommes sans doute, vous êtes au courant qu'elle a écouté les données probantes sur ces sites d'injection. Il faut recueillir de l'information. Nous allons parler avec l'Association de santé mentale, l'Association des jeunes, pour mieux comprendre quelles sont les véritables données et pour nous assurer que les sites d'injection méritent d'être maintenus. C'est ce qu'on a promis à la population pour s'assurer que chaque programme dispensé est un avantage dans l'intérêt du public. Complémentaire. Les faits sont là, sont clairs. C'est une urgence publique. L'année dernière, plus de 300 personnes, quel que soit leur niveau social, sont décédées d'une surdose d'opiacés. Et ça, soit une augmentation de 100 % sur 2 ans. Tous ces décès peuvent être évités. Et grâce au dévouement des premiers intervenants, des vies sont sauvées au jour le jour dans les sites d'injection supervisés à Toronto et ailleurs. Ce sont les faits. Est-ce que le premier ministre s'engagera-t-il aujourd'hui d'appuyer les sites d'injection supervisés qui sauvent des vies à l'échelle de l'Ontario? Ministre, le gouvernement s'engage à lutter cette crise et de donner aux gens qui ont une dépendance les services nécessaires. On écoute la population, on écoute les experts concernant les sites d'injection supervisés. Nous voulons nous assurer que, parce que nous voulons avoir une stratégie générale pour leur donner l'aide nécessaire, peut-être avec les sites d'injection supervisée. Il faut écouter les experts et savoir ce qu'ils ont à dire. Arrêtez la pendule. Député, veuillez vous asseoir. Redémarrer la pendule. Prochaine question, député de Don Valley Est. Ma question s'adresse au premier ministre. Qu'est-ce que ça veut dire, le racisme systémique? Qu'est-ce que vous pensez que ça existe en Ontario, premier ministre? Ministre des services de la sécurité communautaire des services correctionnels. Je voudrais rassurer l'agent que le directorat sur l'antiracisme continuera ses opérations. Et la démarche va s'attaquer au racisme systémique avec un plan. Cela comprend la mise en œuvre d'une centre de données standard, la cueillette d'informations pour aider au gouvernement à identifier tout obstacle systémique en Ontario et de prendre des décisions prises sur des données probantes pour offrir des services et améliorer la façon dont les Ontariens sont servis. Député, veuillez vous asseoir. Député, veuillez vous asseoir. Redémarrer la pendule. Complémentaire. Merci, M. le Président. Ma question de retour au premier ministre. Est-ce qu'on va cueillir des données dans le réseau de la justice? Ministre, comme je l'ai mentionné, la cueillette de données
se fera sur une base générale. Et le directorat continuera d'adopter une démarche générale à l'échelle du gouvernement pour identifier certaines mesures devant l'entreprise pour éliminer le racisme systémique. Adèle Pendule. Député, reprenez votre fauteuil. Redémarrez la pendule. Nouvelle question. La députée de Flamborough-Glenbrook. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à le ministre des services de la sécurité communautaire et des services correctionnels. Je voudrais féliciter le ministre pour son travail. En raison de ce qui s'est passé à Toronto, particulièrement l'incident de Danforth, je suis fier de faire partie d'un gouvernement pour la population, pour offrir aux chefs de police les ressources et les outils nécessaires pour assurer la sécurité du public avec ces événements de violence par armée. Quel message le gouvernement souhaite envoyer pour s'assurer que les rues de l'Ontario ne sont pas sécuritaires? Merci, M. le Président. Je voudrais féliciter la députée Flamborough-Glanbrook pour le travail qu'elle fait et la question. Je voudrais commencer par répéter que le gouvernement n'admettra pas la violence sur les rues. Le gouvernement permettra de s'assurer qu'il y a une sécurité à l'échelle de la province. Ce gouvernement s'engage, je le dis, à avoir des services de police et à leur donner les ressources et les outils nécessaires pour leur travail en sécurité. Je voudrais ajouter, la nuit dernière, nous sommes allés sur Danforth. En fonction de ma visite et après avoir rencontré les propriétaires et d'autres, ainsi que les services de police présents lors de l'incident, je voudrais rassurer les Ontariens que les rues de la province sont sécuritaires. Ma famille et moi, nous avons passé une très jolie soirée dans Danforth. Thank you. Merci. Complémentaire. Monsieur le Président, de retour au ministre. Ministre, l'ancien gouvernement libéral a échoué d'intervenir pour s'assurer que les premiers intervenants aient les ressources et les outils nécessaires pour protéger la population de l'Ontario. Nos premiers intervenants sont un actif de la collectivité et ils doivent effectuer leur travail de façon sécuritaire au jour le jour. Monsieur le Président, notre gouvernement s'engage toujours à assurer la sécurité à l'échelle de la province. Avec cette tragédie sur Danforth, certains Ontariens sont préoccupés par la violence armée sur les rues. Monsieur le Président, ce que le ministre expliquera-t-il à la Chambre? Qu'est-ce qu'il fera à ceux qui commettent des actes de violence armée dans la province? Au ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels, merci de la question. Et je voudrais rassurer tous les Ontariens que nos rues sont sécuritaires et que nous sommes engagés à appuyer et assurer la sécurité dans la province. Lorsque j'étais sur la rue Danforth, j'ai été très content de pouvoir marcher sur une rue très vibrante, de parler à des propriétaires d'entreprises et à des leaders de la collectivité. Et j'ai écouté tous les gens et j'exhorte tout le monde d'aller dans cette région. Il y a le festival qui va prendre lieu le 10 août. C'est une collectivité très vibrante et notre gouvernement est engagé à assurer la sécurité du public et de fournir aux premiers intervenants tous les outils et les ressources nécessaires pour assurer la sécurité et de faire leur travail de manière efficace. Et nous allons offrir à notre ville des rues sécuritaires. Veuillez prendre vos places. Veuillez redémarrer la pendule, député de Sudbury. Merci. Ma question est au premier ministre. Je voudrais lire un courriel
d'Andrea, de ma circonscription de Sudbury. Je suis un parent préoccupé d'un enfant transgenre qui a fait face à de la cyberintimidation et est devenu suicidaire. L'annonce du gouvernement de revenir au curriculum de 1998 est très troublant à mes yeux. L'école n'est déjà pas un espace sécuritaire pour mon enfant. Et le programme ne reflète pas leur réalité, ne fait fi de toute leur expérience et de leur vie, en ne l'incluant pas dans le programme d'éducation sexuelle. Ma question, est-ce que le programme d'éducation sexuelle qui va être enseigné cette année, est-ce qu'il va comprendre les familles personnes LGBTQ? Est-ce que ça va inclure la cyberintimidation et le consentement? Ministre de la Santé et des soins de longue durée, merci de la question. Et comme nous l'avons dit, que nous allons travailler avec les parents, dont celle que vous avez mentionnée, que pour nous assurer qu'on a une consultation exhaustive et qui inclut tout le monde. Par le passé, la consultation n'a eu qu'un petit échantillon de familles. Maintenant, nous allons avoir une consultation exhaustive qui va prendre en compte toutes les opinions de tous les parents. Complémentaire au premier ministre, M. le Président, la mère d'Andrea voulait qu'on passe ce message à tout le monde. Elle ne voulait pas qu'on utilise son nom complet parce qu'elle pensait que ça allait entraîner d'autres intimidations envers son enfant. Ce que ce gouvernement ne comprend pas, c'est qu'une éducation inclusive est essentielle pour les parents et pour les étudiants en salle de classe. C'est essentiel pour comprendre toutes les vies et les expériences des étudiants. Donc, je pose la question, pourquoi est-ce que le gouvernement ne veut pas confirmer cette éducation qui pourrait épargner des vies, ce qui comprend la vie de cet enfant? Ministre de l'Éducation, de la Santé, je dois dire aux députés que nous sommes engagés à écouter tout le monde dans la province de l'Ontario. En ce qui concerne l'intimidation, ce n'est pas acceptable et nous sommes là pour lutter contre ce phénomène. Et que ce soit ici, dans les écoles ou à l'extérieur, dans la société de manière générale. Et nous voulons que les gens puissent parler et de les entendre. Et peu importe leur expérience, nous voulons qu'ils nous disent ce qui se produit pour qu'on puisse traiter le problème et d'assurer que notre programme d'éducation sexuelle est celui qui sera approprié pour tout le monde. C'est pour cette raison qu'on a entamé la consultation avec le ministre de l'Éducation. On veut entendre les opinions de tout le monde. C'est pour cette raison qu'on va avoir cette consultation. Veuillez reprendre vos places. Veuillez vous rasseoir. Redémarrer la pendule. Nouvelle question, député de Markham-Stouffville. Ma question au ministre du Développement économique, de la création d'emplois et du commerce. Plus tôt, l'OCDE, l'Organisation de la coopération et du développement, a averti le Canada en disant qu'on doit prendre en compte les enjeux qui ont été soulevés par les États-Unis, tels que la réforme des impôts et des taxes. Si le Canada ne faisait rien pour trouver une solution et on risquait d'être laissé de côté. Donc, est-ce que le ministre pourrait nous dire qu'est-ce qu'on est en train de faire pour évaluer, examiner nos taxes pour qu'on soit concurrentiel et pour qu'on puisse s'attaquer à ces écarts de concurrence? Au ministre, merci au député de sa question. Et l'avertissement de l'OCDE doit être écouté par le gouvernement fédéral où les taxes sont très élevées en ce qui concerne nos concurrents aux États-Unis et partout dans le monde. Le premier ministre, M. Ford, a dit qu'on est ouvert au commerce et que nous allons rouvrir nos portes encore une fois ici au Canada. On va le faire en réduisant les tarifs d'électricité et en éliminant la bureaucratie qui empêche aux entreprises de créer des emplois. Nous n'allons pas le faire comme les libéraux de manière trop fragmentaire. Nous allons le faire partout dans le système de réglementation. Veuillez reprendre vos places et
une taxe sur le carbone, on va l'éliminer, qui aurait pu nuire à des centaines, des milliers d'emplois. Cette taxe est éliminée et j'espère que le gouvernement fédéral fera de même. Veuillez vous rasseoir, arrêtez la pendule. Redémarrer la pendule complémentaire. Merci, M. le Président. Merci au ministre de votre question. Je sais qu'avec une minute, on a très peu de temps pour parler de 15 ans de malgestion du gouvernement libéral. On a vu, encore une fois, avec le gouvernement fédéral, un gouvernement conservateur, lorsqu'on baisse les taxes et lorsque notre homologue fédéral augmente les taxes et nous retire ses avantages. Le ministre qui a fait un très bon travail en très peu de temps pour s'attaquer aux désavantages économiques qui nous ont été posés par l'ancien gouvernement libéral. Qu'est-ce qu'on peut faire les quatre prochaines années pour alimenter l'économie et pour qu'on puisse apporter des changements pour apporter la prospérité pour les familles de l'Ontario? Merci. Au ministre, Monsieur le Président, merci de la question. On est allé hors script un peu. Et j'avais oublié que c'était une question amicale. Juste pour continuer, que lors de la campagne, on a promis qu'on allait réduire les taxes corporatives d'un pour cent, d'aller de 11,5 à 10,5 en mettant plus d'argent dans vos poches, en réduisant le prix de l'essence de 10 cents le litre, en réduisant les tarifs d'électricité, en abaissant les impôts pour les familles, ça vous permet d'aller vous acheter des services et des biens qui sont produits ici en Ontario. C'est comme ça qu'on crée des emplois. C'est comme ça que les conservateurs créent des emplois. On n'a pas de leçons à tirer des libéraux qui ont gaspillé des milliards de dollars. Nous, nous équilibrons les chances pour que tout le monde soit plus compétitif et qu'il y ait un climat économique qui est meilleur pour les hommes et les femmes de l'Ontario. Merci. Veuillez reprendre vos sièges. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Rappel à l'ordre. Veuillez redémarrer la pendule. Le député de Sainte-Catherine. Merci, M. le Président. Ma question est au premier ministre. La ville de Sainte-Catherine fait face à une crise urgente dans les logements abordables. Les réfuges sont surpeuplés. Les gens sont forcés dans les rues parce que les loyers sont trop élevés. Les listes d'attente sont ridicules. Il y a un faible taux de vacances des logements. La liste d'attente pour des personnes de 16 ans à 54 ans est de 13 ans. Monsieur le Président, c'est inacceptable. Un système, un logement abordable et sécuritaire, c'est un droit de la personne. Est-ce que le premier ministre va s'engager à financer les logements abordables dans la ville de Sainte-Catherine? Ministre des Finances, merci beaucoup de la question. Comme vous avez entendu, notre premier ministre, M. Ford, tout au long de la campagne, a dit que ce gouvernement serait pour la population. Vous allez avoir un répit pour les familles de l'Ontario. La prospérité va revenir et, comme le ministre l'a mentionné, on est ouvert aux affaires. Donc, on va éliminer le système de plafonnement et d'échange et de remettre 260 $ dans les poches de toutes les familles. Nous allons réduire le prix de l'essence de 10 cents le litre. La réduction des familles, des impôts des familles de 20 %. Nous allons réduire les tarifs d'électricité de 12 %. Nous avons un très bon plan qui est pour la population qui va apporter un vrai répit pour les familles de l'Ontario. Complémentaire. Merci, M. le Président. Ce gouvernement a fait campagne de développer le logement abordable dans la grande région de Toronto. La crise ne se limite pas à Toronto et aux régions avoisinantes. Les gens partout dans la province vivent dans la peur. Ils ne savent pas où ils vont dormir ce soir ou demain soir. Je vais me répéter, c'est inacceptable.
Quand est-ce que les gens de l'Ontario, partout dans la grande région de Toronto et au-delà de la grande région, vont voir des actions de la part du gouvernement pour bâtir des logements abordables? Ministre, merci beaucoup. Comme je l'ai déjà mentionné, Monsieur le Président, du Premier ministre Ford et de notre parti est un plan pour la population. Nous allons apporter un répit pour les familles. Il y a un appui pour les municipalités qui est en cours. Nous avons aboli la taxe du système de plafonnement et d'échange et la taxe du carbone. C'est la taxe qui mine la confiance. Non seulement est-ce qu'on va remettre 260 $ dans les poches des familles, on va créer des emplois et permettre aux gens de se trouver un emploi, un vrai emploi dans la province que certains ont perdu espoir de se trouver à la suite du système de plafonnement et d'échange qui avait été mis en place. Donc, et on ajoute à cela une réduction du prix de l'essence, une réduction de l'impôt sur les familles à faible et à moyen revenu. On va voir pour la première fois en 15 ans des familles qui vont se sentir qu'ils vont avoir plus d'argent dans leur poche. Ils vont se sentir comme si on les aidait. Nouvelle question. Député de Simcoe Centre. D'Etobicoke Centre. Monsieur le Président, ma question au ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports. Chaque septembre, le monde vient à Toronto pour célébrer le meilleur du cinéma canadien et international. Ils viennent à le Festival des films international de Toronto, soit TIFF. Le programme a été dévoilé hier. C'est quelque chose que j'ai été très enthousiaste à voir, surtout lorsque je travaillais pour la ville de Toronto. Comme vous le savez, TIFF, c'est un des plus grands événements qui a lieu dans la ville de Toronto, du côté économique et du côté culturel. Est-ce que la ministre pourrait nous donner plus d'informations au sujet de l'engagement du gouvernement envers TIFF et du plan de 2018 pour le festival? Ministre de la Culture, du Tourisme et des Sports, merci de la question et la députée d'Etobicoke Centre. Je sais que vous connaissez l'importance parce que Etobicoke, c'est un centre pour l'industrie du film ici en Ontario. C'est le festival le plus prestigieux au monde depuis 1986. TIFF a accueilli les plus grands films internationaux cette année. Il y a 21 films, 7 internationales, 8 nord-américains des premières. Notre gouvernement est fier d'appuyer les festivals de TIFF et ainsi que d'autres dans la province. C'est un événement important pour les créateurs de cinéma et pour toute l'industrie complémentaire. Merci, M. le Président. Encore une fois à la ministre, je suis contente d'entendre que le gouvernement prend les étapes nécessaires pour assurer qu'on apporte de bons emplois et de bons investissements ici, qu'ils soient nationaux et internationaux. Une bonne industrie du film est non seulement une bonne chose pour les entreprises, c'est bon aussi pour les collectivités partout dans la province. Je suis d'accord que TIFF contribue à renforcer l'industrie. Est-ce que la ministre pourrait nous dire, savoir comment c'est quelque chose qui alimente le tourisme ici, dans la ville de Toronto et dans la province de manière générale? À la ministre. Merci de la question. Absolument, ça alimente le tourisme et aussi l'économie. Toronto est un des plus grands centres de production du cinéma ici en Amérique du Nord. C'est un centre créateur d'emplois aussi. L'année dernière, TIFF a eu plus de 3 000 bénévoles qui ont donné plus de 100 000 heures à TIFF. C'est un festival qui a été dénommé en étant très amical. Appuyé par notre gouvernement, ça a contribué 1,6 milliard de dollars à l'économie. C'est la 7e année où c'est au-delà d'un milliard de dollars. TIFF est un autre exemple de démontrer que l'Ontario excelle en accueillant des événements internationaux et d'attirer des touristes de partout et de démontrer qu'on est ouvert aux affaires. Merci. Nouvelle question. Député de Scarborough Sud-Ouest. Merci, M. le Président. Ma question est au Premier ministre. M. le Président, ce gouvernement prétend être pour la population, mais il y a un des problèmes avec cela. C'est un problème à Scarborough. C'est qu'il y a un manque de lits de soins de longue durée. La qualité des soins qui sont disponibles aux gens de ma circonscription
Une personne et sa mère a touché par la démence et elle a besoin de soins de longue durée. Elle doit maintenant quitter ce programme de jour sans lit de soins de longue durée. Les soins de longue durée sont à un point de crise. Et maintenant, c'est la crise de ce gouvernement. Monsieur le Président, est-ce que ce premier ministre va promettre, il a promis plutôt qu'il y aurait des centaines de lits de soins de longue durée sans réduire les dépenses et sans augmenter... Quand est-ce que les familles pourraient s'attendre à ce qu'il y ait un répit et qu'ils aient de l'aide? Ministre des soins de santé et des soins de longue durée, bien, merci de la question. Nous savons qu'il y a une crise en soins de longue durée partout dans la province, dans votre circonscription et dans plusieurs autres, suite à 15 années d'immobilisme de la part de l'ancien gouvernement. C'est pour cette raison qu'une de nos promesses lors de la campagne, ça a été d'ouvrir 15 000 nouveaux lits sur les 5 prochaines années. C'est un de nos plus grands engagements envers la population de l'Ontario et de continuer sur ce plan et de faire ce qu'on a fait sous un ancien gouvernement conservateur. Nous allons continuer de le faire maintenant. Complémentaire. Merci, M. le Président. Je voudrais remercier la ministre de sa réponse, mais le problème persiste. Ce gouvernement continue de faire campagne. Les néo-démocrates ont demandé pour qu'il y ait une enquête publique sur les morts dans les centres de soins de longue durée à la suite de l'incident Wettlaufer. Et en tant que député, je vois ces enjeux à tous les jours. Et une autre mère d'une de mes commettantes dans un centre de foyer de soins de longue durée, il n'y a pas d'air climatisé et c'est une institution privée qui s'appelle Extended Care. Est-ce que c'est le modèle que le premier ministre propose pour la province de faire du pareil au même? Est-ce que le premier ministre pourrait dire à la population quand ces 15 000 nouveaux lits seront disponibles? À la ministre, nous travaillons sur le plan pour augmenter la capacité. J'ai parlé aux gens au sein du ministère de la Santé. Nous savons que de rendre disponible 15 000 lits sur 5 ans. C'est un grand engagement et on doit commencer le travail immédiatement en ce qui concerne la question sur l'enquête. Comme vous le savez, elle a déjà été entamée et on a hâte de voir les résultats pour voir les recommandations qui seront émises. C'est inapproprié de commenter sur cette enquête ici, mais nous allons prendre toutes les mesures nécessaires à la suite des recommandations qui seront émises à la suite de ce rapport ou de cette enquête. Nouvelle question. Député de Brampton Sud. Merci, M. le Président. Merci. Ma question au leader parlementaire du gouvernement des services gouvernementaux et des services aux consommateurs. Notre gouvernement a ramené la Chambre ici après 12 jours après que les gens soient assermentés au sein du Conseil des ministres parce qu'on devait agir de manière urgente. Les gens nous ont envoyés ici pour qu'on commence le travail et c'est justement ce qu'on a fait. Est-ce que le ministre pourrait nous mettre à jour au sujet des promesses qu'on a faites sur nos priorités urgentes? Leader parlementaire du gouvernement, merci, M. le Président, et merci aux députés de Brampton-Sud. Et je dois dire que les gens de Brampton-Sud ont pris la bonne décision en l'élisant ici, ce député, et en l'envoyant ici à la Chambre. Veuillez vous rasseoir. Monsieur le Président, notre gouvernement était très clair. Les Ontariens ne pouvaient plus s'attendre. C'est pour cette raison qu'avec le leadership du premier ministre Ford, c'est qu'on a agi immédiatement et qu'on a déposé le projet de loi sur les priorités urgentes. On a commencé à travailler immédiatement. Les Ontariens ont parlé, ils veulent qu'on trouve une solution avec l'électricité. Ils voulaient qu'on ramène les étudiants en salle de classe avec l'Université York et c'est justement ce qu'on va faire. Les libéraux et les politiques d'électricité, ça a été tout un fouillis. Un cafouillis et on va avoir la chance de voter contre tout ce scandale libéral. Veuillez arrêter la pendule. Veuillez vous rasseoir.
Chronomètre. Question complémentaire. Pour revenir à la ministre, merci. Arrêtez le chronomètre. House will come to order. À l'ordre, s'il vous plaît. We're on a supplementary question. House will come to order. À l'ordre. La Chambre va revenir à l'ordre. The House will come. À l'ordre. House will come to order. We're on a supplementary question. Question complémentaire. Merci au ministre pour sa mise à jour. Pendant les discussions, des députés de l'opposition ont défendu les politiques du gouvernement libéral sur l'électricité. Après avoir consacré 28 jours pour dire à quel point ils sont terribles, est-ce que le ministre peut mettre à jour la Chambre sur la raison pour laquelle le projet de loi 2 est tout à fait utile. Merci, Monsieur le Président, et merci au député de Brampton Sud pour sa question. Il est honteux de voir que l'opposition défendrait le gâchis du gouvernement libéral précédent sur l'électricité. Les Ontariens méritent mieux. Et sous le leadership du Premier ministre Ford, nous allons accomplir la tâche. C'est la raison pour laquelle nous siégeons plus tôt. Ainsi, nous pouvons nous attaquer à ces enjeux. Nous avons mis 8 éléphants sur le sud du comté de Prince Edward. Chaque jour, l'opposition s'en plaignait. Et maintenant, ils auront l'occasion de faire quelque chose. Ils vont pouvoir voter. Je les encourage de voter. On va s'occuper du gâchis de l'électricité des libéraux et ramener les étudiants en classe. Les députés vont se rasseoir. À l'ordre. À l'ordre. Repartez le chronomètre. Député de Niagara Centre. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Le NPD a demandé au gouvernement depuis des années de s'engager à l'élargissement du service GO Train à Niagara. On a permis à Niagara d'avoir ce service d'ici 2021. Mais pendant la campagne, le Premier ministre a remis en question cette prolongation. Alors, le transport vers Niagara va être de mauvais à pire. Alors, est-ce que vous allez vous engager à l'échéancier de 2021 pour un prolongement du transport jusqu'à Niagara? Au ministre des Transports, merci beaucoup. Merci aux députés de sa question. Le Premier ministre a été très clair. Nous allons prolonger le train GO dans la province, y compris des services jusqu'à Bowmanville, Kitchener et Niagara, dans les deux sens. Il est clair, et nous avons été très clairs, que le Premier ministre Ford va être connu comme étant le Premier ministre du transport. Nous avons reconnu la difficulté de déplacer la population dans la province. Et c'est ce qui empêche notre économie d'avancer. Alors, nous allons nous assurer de déplacer et les biens de façon efficace. Un des facteurs d'une économie florissante, c'est de pouvoir avoir un bon transport en commun chaque jour. Alors, aux députés, détendez-vous. Nous nous sommes engagés à élargir le service GO Train à Niagara. Comptez sur nous.
Question complémentaire. Monsieur le Président, l'élargissement du service GO Train aurait un impact positif sur l'économie de Niagara, ce qui donnera 195 millions de dollars dans la région de Niagara. Le ministre n'a pas répondu à ma question. On a posé la question quand. L'élargissement va créer des milliers de nouveaux emplois ainsi que 1200 emplois pendant la construction. On va y établir des liens à l'emploi et les résidents de la grande région de Toronto pourront se rendre aux vignobles et aux chutes du Niagara. Je pose la question à nouveau. Est-ce que ce gouvernement va s'engager à l'échéancier de 2021 pour élargir le service de GO Train jusqu'à Niagara? Merci, mon ministre. Eh bien, Monsieur le Président, j'apprécie l'engagement du député envers ce projet. Mais ce n'est pas meilleur que notre engagement du côté des conservateurs. Nous avons été élus pour changer ce qui n'allait pas bien en Ontario, c'est-à-dire de se débarrasser de la taxe du carbone, du plafonnement et d'échange, de s'occuper du gâchis de l'électricité, de ramener les jeunes et les étudiants à l'Université York. Alors, ce qu'on fait avec le projet de loi 2, c'est d'accomplir la tâche. Mais notre engagement pour élargir le transport, comme je l'ai dit hier, est coulé dans le béton. Alors, nous avons été très clairs à ce sujet. Alors, nous travaillons avec les partenaires de GO et Metrolinx pour examiner les stratégies et les plans. Ainsi, nous aurons une méthode exhaustive pour élaborer cette stratégie dans la grande région de Toronto jusqu'à Niagara. Député de King Vaughan. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, sous le leadership de ce Premier ministre, nous initions un plan pour croître notre économie, pour créer des emplois qui payent bien. Merci au ministre des Finances. Sous le leadership de ce Premier ministre, nous initions des stratégies pour créer des emplois bien payés. Nous voulons créer la prospérité et l'espoir pour tous les Ontariens des régions de la province. Notre stratégie va faire croître notre économie et va ramener la province sur la bonne voie. Sous Bob Rae, c'était différent. Et oui, ils peuvent parler de 125 000 personnes qu'ils ont mis à pied pendant leur règne. Il y avait un taux de chômage de 20 %. Et ils ont augmenté les impôts au ministre des Finances. Merci beaucoup de votre question. Ce gouvernement, Monsieur le Président, a été élu pour la population et nous allons rétablir la confiance chez les Ontariens. Sous l'administration des libéraux, les entreprises avaient quitté la province de l'Ontario il y a 2 ans. Il y avait 2700 entreprises qui ont quitté car ces entreprises étaient en difficulté. Un gouvernement de Doug Ford s'engage à nous rendre compétitifs et diminuer les coûts généraux pour les novateurs en Ontario. Nous voulons diminuer les impôts de 11,5 à 10,5. Nous voulons diminuer les taux de production. Nous voulons diminuer l'impôt également. Nous voulons diminuer les taux d'électricité. Nous sommes propices aux affaires. Promesse faite, promesse tenue. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Pour revenir au ministre des Finances, merci de son leadership et de son engagement pour rétablir l'esprit dans cette économie. Notre plan va améliorer la croissance et va créer des emplois pour les jeunes. Est-ce que le ministre des Finances peut décrire la raison pour laquelle ce gouvernement ne va jamais retourner en arrière et la raison pour laquelle nous avançons? Eh bien,
Merci, Monsieur le Président. Encore une fois, c'est une question de rétablir la confiance. Nous avons une autre ronde de questions. Alors, j'aimerais parler du nord de l'Ontario et du rendement en emploi. Pendant 15 ans, la région du Nord que je chéris a été ignorée par le gouvernement libéral. Depuis juin 2009, le Nord de l'Ontario a subi une perte de 2 000 emplois. Ce gouvernement respecte la région du Nord et va faire tout son possible pour rendre la vie abordable et créer de bons emplois dans les régions du Nord et dans toute l'Ontario, ce qui signifie diminuer les impôts, les taux d'électricité et la bureaucratie qui empêchent la création d'emplois. Nous avons fait des engagements fermes pour aider les communautés du Nord et autochtones. Nous allons diminuer l'impôt sur l'essence. Les députés doivent s'asseoir. Nous avons un vote différé pour la motion portant deuxième lecture du projet de loi 2, loi concernant Hydro One Limited, l'annulation du projet de parc éolien White Pines et les conflits de travail entre l'Université York et la section locale 3903 du Syndicat canadien de la fonction publique. Il y aura une sonnerie de 5 minutes.
Les députés doivent se rasseoir. Je n'aime pas vous interrompre, mais je vous demanderai de vous rasseoir. Le 19 juillet, M. Rickford a proposé la deuxième lecture du projet de loi 2. Avis favorable. Veuillez vous lever une personne à la fois et vous allez être reconnu par le greffier. Mr. Smith, Bay Quinty. Mr. Bethlen Favi. Mr. Bethlen Favi. Mr. Fidelli. Mr. Fidelli. Mr. Ford. Mr. Ford. Ms. Elliott. Ms. Elliott. Mr. Wilson. Mr. Wilson. Ms. Mulrooney. Ms. Mulrooney. Ms. McLeod. Ms. McLeod. Mr. Jakubowski. Jakubowski. Mr. Hardiman. Mr. Hardiman. Mr. Tabolo. Mr. Tabolo. Mr. Barrett. Mr. Barrett. Mrs. Marteau. Mrs. Marteau. Mr. McDonnell. Mr. McDonnell. Mr. Bailey. Mr. Bailey. Mr. McNaughton. Mr. McNaughton. Ms. Fullerton. Ms. Fullerton. Ms. Scott. Ms. Scott. Ms. Jones. Ms. Jones. Mr. Cho Scarborough North. Mr. Cho Scarborough North. Mr. Urich. Mr. Urich. Mr. Phillips. Mr. Phillips. Mr. Lecce. Mr. Lecce. Mr. Miller Perry Samuskoka. Mr. Miller Perry Samuskoka. Mr. Coe. Mr. Coe. Mr. Gill. Mr. Gill. Mr. Key. Mr. Key. Mr. Calandra. Mr. Calandra. Ms. Surma. Ms. Surma. Mr. Parson. Mr. Parson. Ms. Skelly. Ms. Skelly. Mrs. Martin. Mrs. Martin. Mrs. Triantafilopoulos. Mrs. Triantafilopoulos. Mr. Sarkaria. Mr. Sarkaria. Mr. Osterhoff. Mr. Osterhoff. Ms. Midas. Ms. Midas. Ms. Park. Ms. Park. Mr. Nichols. Mr. Nichols. Ms. Kusindova. Ms. Kusindova. Mr. Romano. Mr. Romano. Mr. Harris. Mr. Harris. Ms. Hogarth. Ms. Hogarth. Mrs. Carahalios. Mrs. Carahalios. Mrs. Fee. Mrs. Fee. Mr. Cho Willowdale. Mr. Cho Willowdale. Mr. Downey. Mr. Downey. Ms. Kanjan. Ms. Kanjan. Mr. Pacini. Mr. Pacini. Mr. Cramp. Mr. Cramp. Mrs. Y. Mrs. Y. Mrs. Tangri. Mrs. Tangri. Ms. Samar. Ms. Samar. Mr. Rashid. Mr. Rashid. Mr. Rashid. Mr. Sandy. Mr. Sandy. Mr. Crawford. Mr. Crawford. Mr. Smith, Peterborough Kawartha. Mr. Smith, Peterborough Kawartha. Ms. McKenna. Ms. McKenna. Ms. Dunlop. Ms. Dunlop. Mr. Kanapati. Mr. Kanapati. Mr. Babikian. Ms. Babikian. Mr. Boma. Mr. Boma. Mr. Anand. Mr. Anand. Mr. Pang. Mr. Pang. Mr. Tanigasa. Mr. Tanigasa. Mr. Roberts. Mr. Roberts. Mr. Cazzetto. Mr. Cazzetto. Mr. Baber. Mr. Baber. All those opposed. De cette motion, veuillez vous lever une personne à la fois et être reconnu pour, par le greffier. Mr. Tabb. Ms. Singh Brampton Center. Ms. Singh Brampton Center. Mr. Vanta. Mr. Vanta. Mr. Bisson. Mr. Bisson. Ms. Sattler. Ms. Sattler. Ms. Fife. Ms. Fife. Mr. Hatfield. Mr. Hatfield. Ms. Beagham. Ms. Beagham. Ms. Lindo. Ms. Lindo. Mr. Mamakwa. Mr. Mamakwa. Mr. Yard. Mr. Yard. Ms. Carpoche. Ms. Carpoche. Mr. Manta. Mr. Manta. Mr. Nadishak. Mr. Nadishak. Ms. Shaw. Ms. Shaw. Ms. Stiles. Ms. Stiles. Mr. Miller Hamilton East Stony Creek. Mr. Miller Hamilton East Stony Creek. Mr. Birch. Mr. Birch. Mrs. Stevens. Mrs. Stevens. Mr. Gates. Mr. Gates. Ms. French. Ms. French. Ms. Armstrong. Ms. Armstrong. Mr. Singh Brampton East. Mr. Singh Brampton East. Mr. Kernahan. Mr. Kernahan. Mr. Hassan. Mr. Hassan. Ms. Burns McGowan. Ms. Burns McGowan. Mr. Arthur. Mr. Arthur. Monsieur Bourguin. Monsieur Bourguin. Ms. Bell. Ms. Bell. Mr. Glover. Mr. Glover. Ms. Morrison. Ms. Morrison. Mr. Rakosovic. Mr. Rakosovic. Mr. Hardin. Mr. Hardin. Ms. Monteith Farrell. Ms. Monteith Farrell. Mr. West. Mr. West. Mr. Fraser. Mr. Fraser. Ms. Wynn. Ms. Wynn. Mr. Coteau. Mr. Coteau. Ms. Hunter. Ms. Hunter. Madame Lalonde. Madame Lalonde. Mr. Schreiner. Mr. Schreiner. Madame DeRosier. Madame DeRosier. The ayes are 69. Les oui sont 69 et les non 44. Les oui étant 69 et les non 44, je déclare cette motion adoptée. Conformément au règlement daté du 24 juillet, la troisième lecture du projet commence. Nous sommes en pause jusqu'à 3 heures cet après-midi.